Salut les amis, et bon retour pour la suite de l'aventure sur le mode survie de Fallout 4. On est enfin de retour dans le Commonwealth les amis, yes! Donc là on va déglinguer du raider juste derrière moi, on a la carrière Ticket, donc qui s'est vidée de son eau, vous savez elle était inondée d'eau, et on a aidé un gars à réactiver la pompe qui a permis de tout vider. Donc j'ai posé la tente histoire de sauvegarder, histoire d'être prêt, si jamais je meurs. On va récupérer ça. On n'en a plus besoin. J'ai fait ma petite sauvegarde. Et du coup, on est de retour ici, histoire de se remettre un petit peu en jambes. Hein, parce que ça fait un petit moment, ça doit faire 2 semaines que j'ai pas joué à Fallout. Donc, il faut que je me réhabitue un petit peu. Il faut pas que je m'excite trop parce qu'on est en mode survie. Hein, j'ai pas oublié. Et il va pas falloir faire les cons. Il va falloir se concentrer un petit peu. J'en perds mes mots. D'accord. On m'a déjà repéré. C'est cool. Aïe. Ok. Et de 1. Eh, ils arrivent bien à me toucher quand même, hein. On va se détendre parce que le steampack aussi guérit pas à fond. Voilà. Un deuxième. Hop. Il y en a un là-bas qui court. Touché. Ok, j'ai l'impression qu'ils vont arriver, hein. On est d'accord. Et par contre, je suis déjà fatigué. Par contre, ça fait 2 fois que je le fais dormir 10 heures. On va se détendre peut-être un petit peu, hein. Peut-être un peu abusé la fatigue. Le mec est tout le temps fatigué, quoi. T'es un survivant ou tu l'es pas, quoi. Ça va qu'on a de la bouffe de côté, hein. Tout ce qu'on avait récolté et tout. J'ai tout fait cuire. Et tout ça, donc... j'ai encore faim, d'ailleurs. Côte de chien, ouais. Voilà, vous êtes bien nourri, c'est cool, merci. Oh. Et par contre, ah, ils sont là-bas, ok. Touché. Attention, monsieur. Et ils vont monter. Ouais, je crois que ça arrive. Prendre le magnum. Voilà qui est réglé. 2-1. Pas deux. Pioche. Pardon. C'était quoi? C'était une blague? Réellement? Ils sont où les autres? Rechargé. Il y en a un là. Un peu. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai rien. Nous avons assuré le spectacle. Sortez de votre cachette. Tu me fais pas peur? Alors toi, tu vas te détendre déjà. Allez. Bim. Reprendre le sniper. Je pense qu'on a terminé. Alors qu'est-ce que ça, ces trucs là? Ouais. Ouais, on s'en branle. Cran d'arrêt, ouais. Moi, je pourrais faire ça toute la journée. Il est où? Il y en a là-bas, là, au fond, là. Il tire bien, les saligots, dis donc, là. Touché. J'ai repéré quelque chose, monsieur. Oh, toi. Vous savez quoi? On va se rapprocher un petit peu. Aïe. Je peux faire ça tout moi. Oh. Voilà. Rien de mieux que les flammes. Fais gaffe parce que même au couteau, ils peuvent me one shot quoi. Surtout qu'il me manque de la santé à cause de la fatigue. J'aurais peut-être dû dormir encore un petit coup, mais bon. Allez, sors de là. Il est où? Et what? Boom headshot! Boom headshot! Boom headshot! Ok, j'ai fait le ménage un petit peu par ici. J'ai essayé de faire une approche un peu plus stealth.
Ça a l'air de passer, mais il y a beaucoup plus de monde que ce que je pensais, donc... Il y a encore du boulot. Je fais une petite sauvegarde là. Mais on a du monde par en bas, quoi. On a un gars là, un gars ici, et beaucoup de gars en bas, là. Au moins deux par là-bas. Un chien, plus un légendaire par ici, ok. On est bien, là. On va prendre des petites mines. On va se poser un petit piège par là. Voilà. Un petit piège ici. On est plutôt bien. On va essayer de s'éliminer le... Je sais pas s'il a bougé. Il est où le légendaire, là? Il y a le chien ici, mais c'est pas le chien que je veux, c'est le légendaire. Allez, montre-toi. Montre-toi. Si j'arrive à lui caler une balle et qu'il meurt, ça peut être pas mal. Si j'arrive à lui caler une balle mais qu'il mute, ça pourrait être mieux que s'il commence à attaquer en premier, quoi. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bouge pas, bouge pas. Ne bouge surtout pas. Allez. Ouais, ça c'est nice. Ça c'est nice. Voilà. Le chien, il est down. Ça dit quoi? Là-haut, ça s'excite, non? Il est mort. Putain, ce sniper! Elle voulait pas rigoler, je rigole plus, moi. Raté, merde. J'ai rien dit. Ah, touché. Lui, faudrait peut-être éviter qu'il marche sur les mines tout de suite. Ok, il y a du monde qui se ramène. Bon, mais tant pis. On va attendre que l'autre il monte. Allez, viens. Viens voir papa. Tout va bien se passer. Bon, je vais peut-être m'écarter parce que les mines sont juste là en fait. Réco de source. Ça va faire boum. À 3, 2, 1. Puis 3, 2, 1. Voilà, je t'aide. Oh! Faut venir déclencher les mines. Putain, mais comment je loupe là? On a peur, hein. J'aurais dû laisser le viseur. Ok, un autre. Là, j'arrive pas à bien voir là. Voilà. Voilà. Ah, mais c'est pas drôle, moi je voulais activer le piège. Ça sera bientôt fini. Alors là, le chien. À faire. Poule! Elle est pas mort. Poule! Oh putain, elle est pas mort. Oh putain! Putain, il est costaud le chien, dis donc. Viande de chien. Oh, Light Junkyard Dog Armor. Oh, nice. Ça dit quoi ici? Il est où celui qui me tire dessus là? Ah, il est là-bas. Ça touche? Ouais, ça touche. On va voir. Je sais pas s'il y en a un ici. Non. Ok. Bon, on va y aller, Code Source. C'est parti. Eh, hey, on y va. Bien sûr, monsieur. Je me demande comment la carrière a été inondée. La pluie. Peut-être. Allez, on rush, on rush. On rush, Code Source. Pas le temps de niaiser. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh,
Oh, ce viseur là. Tiens. Oh putain. Waouh. Ah, c'était limite. Attends, on va se mettre le petit point, on va le mettre en quoi? On va le mettre en fanat d'armes, voilà. Pour les silencieux, hein, je répète, mais... Il est où? Il doit être là-bas. Raté. Non, il est pas là-bas, ok. On va peut-être éviter de, d'utiliser bêtement les cocktails, ouais, aussi. Bon, allez. Un petit dernier pour le plaisir. Ah, voilà, c'est bon. J'arrête. J'arrête de les utiliser comme un abruti. Metal chest pièce, ok. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai trouvé ce masque à gaz. Plutôt stylé, hein, qui ne me laisse pas indifférent, je dois l'avouer. On va mettre une petite chest pièce. Une armure en métal, hein, tout simplement. Histoire d'être un peu plus résistant. Oh, il y a du matos, là. Il y a du matos. Ah, vous m'avez mis en colère. Vous m'avez mis en colère. Ça va chier. Par contre, j'ai tué du monde, je crois, là-haut. Alors, on va aller voir ça. Ensuite, on ira voir aussi le légendaire qu'on a tué. Au cas où, s'il y a un petit fusil. Mec, il avait une louche sur lui, quoi. Il y a un mec là-haut, là. Il est où, le gars? T'as vu quoi? J'ai peur de me prendre une tête. Je dois l'avouer. Elle a l'air clean par là, là. Il m'a fait peur. J'ai toujours peur parce que même un mec qui me rush au couteau, il peut me tuer. C'est testé, hein. C'est vraiment. C'est pas des conneries, quoi. Même un mec qui me rush au couteau, il me fait une action directe, il me fait un finish où il me plante le couteau dans la gorge et. Il est où, le gars, là? N'oubliez personne. Oh, d'ailleurs, c'est pas ici qu'on a, on a l'armure anti-radiation aussi, là? On va faire attention à ça et essayer d'aller voir parce que le masque à gaz que j'ai. Il a l'air de donner des bons bonus à ce niveau-là aussi. Bon, allez, c'est parti. On va descendre. On va aller descendre, zigouiller ces derniers petits raiders. Enfin, ces derniers, j'en sais rien, en fait. J'en sais rien si c'est les derniers. Ça se trouve, il y en a encore plein. On va aller voir, d'ailleurs, le légendaire qu'on a tué. Putain, on est encore... Je me demande comment la carrière a été inondée. J'aime pas trop le coin, là. Ou peut-être qu'ils ont creusé trop près d'une source. Alors, par contre, je vais peut-être laisser Code Source par là-bas. Je sens qu'il va me faire repérer. C'est pas trop l'endroit où se faire repérer. Ouh, t'as bien cramé, toi, dis donc. Tu as bien cramé. On a des mecs en dessous là-bas. Il y a des mecs aussi ici. Je vais pas tirer de là parce que ce serait gâcher des munitions pour rien, ça se trouve. Pour au final se faire repérer et mourir, quoi. Ça pourrait être pas mal, ça, un petit point américain. Plutôt que d'avoir une machette. Ce serait plus rapide. Point américain. D'ailleurs, je vais remplir Code Source parce que là, vous je suis un peu à rabord. Ouais, je veux bien. Hop. Ne te mêle pas de ce qui te regarde pas. Oh, peut-être que je vais garder une petite mitraillette sur moi, on sait jamais. Au corps à corps, ça peut être pas mal en survival. Sur le mode normal, je dis pas, mais... Mais là, même si elles sont à 11 de dégâts... Ça peut avoir son effet. Oh, 5 missiles. Nice. Il est passé où, le légendaire, là?
Il avait un masque jaune. Il est où? Il est pas mort par là, là? Ça se trouve, il est tombé, ce con. Tous les coups, il est tombé dans le... dans l'enclos des fangeux. Psst, attendez. Attends, pendant que je vais éliminer un petit peu tout ça, là. Ok. Voilà. Comme ceci. Est-ce qu'ils m'ont vu ou pas? Est-ce qu'il y en avait un deuxième? Ok, maintenant il y a ceux qui sont en bas. Est-ce qu'on les voit de là? Vas-y, on va essayer d'avancer. Tout doucement. Tout tranquillement. J'appellerai Code Source après. Hein. Parce que là, c'est chaud. Putain, ça prend du temps quand même. On peut pas rusher, on peut pas se permettre de rusher parce que... sinon, on crève. On va vérifier qu'il y ait personne ici. C'est bien le genre d'endroit, j'ai l'impression, où il pourrait y avoir une deuxième personne. Oh, t'as rien compris, toi, mon gars. Désolé, mais... bon, fausse alerte. T'as pas l'air d'avoir des trucs intéressants, toi. Ok. Ouh, y'a du matos. Je crois que je suis tombé sur la caverne d'Ali Baba. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un petit viseur sur... Je croyais que... non, c'est rien. Et il y a un mec ou quoi, là? Il doit être juste en dessous, le gars, quoi. Est-ce qu'on peut améliorer ça et mettre un petit viseur? Genre un petit quoi, pas trop gros. Ça sert à rien, mais juste un petit quoi. 2x5, 4x. Un 4x, peut-être ça suffira. Voir un petit peu. Voilà, c'est amplement suffisant un viseur comme ça. Nickel. Et par contre, fais voir un petit peu. Exécution rapide, ok. Mettre une petite baïonnette. Ça peut être pas mal au corps à corps. C'est quoi ce bruit? Ah ouais, mais il y a peut-être des gars là. Attendez, on va appeler Code Source. En route. C'était rien en fait. C'est quoi ce bordel? Voilà. Je me demande comment la carrière a été inondée. La pluie? Ou peut-être qu'ils ont creusé trop près? Ici! Immédiatement, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Restez là. C'est d'accord. Ça sert à rien de se cacher. Ce sera bientôt fini. J'ai eu peur de me louper pendant 2 secondes. T'en as pas marre?
Pas comme je t'ai brain, toi. Un autre volontaire. C'est quoi qu'elle a? Oh, il est stylé lui aussi là. Ah d'accord, selon les masques à gaz, ils ont plus de résistance ou alors plus de radiation, c'est super ça. Je vais prendre celui-là peut-être. Ils sont tous stylés en fait, ils ont tous un style vraiment, je vais les collectionner. Ouais, c'est celui-là. Hop, comme il y a un peu de résistance à la tête, ça peut être intéressant. Oh, regardez-moi ça quoi. Ils sont vraiment stylés. Putain, plus que celui de base quoi. Ouais, un petit rajout de mode plutôt sympathique quoi. On va voir, je vais me mettre en face pour voir. Est-ce que j'arrive à voir quelque chose de là? Et en bas, ça dit quoi? En bas, ça dit... Ça dit que ça va mourir. Mais j'ai loupé la tête. Ah, c'est un légendaire en plus. Ouais. Oh putain. Ah ouais. Ok. On va éviter d'utiliser tous les steampacks. Ah, j'ai faim aussi. Allez. Reprends ta santé, tout tranquillement. Là, je crois qu'il a une arme comme moi là. Je crois qu'il doit avoir un fusil de chasse ou un truc comme ça. Allez, remonte. Là, si je me prends encore une balle, je pense que je suis dead. On va se détendre. Ok, je crois qu'il m'a... Il m'a zappé. Yes! Cette fois-ci, je t'ai eu, enfoiré. Ah, ça dit quoi? Est-ce qu'il y a encore du monde ou pas? Eh, c'est chaud, hein. Je sais pas si vous en rendez compte, vous, comme ça, mais c'est hyper chaud, quoi. Hey, sur moi. Vous voulez vous reconvertir en ferrailleur, monsieur? J'ai pas loupé un gars, là. Non, ça va. Je me suis dit... Mais waouh quoi. C'est tellement vénère quoi. Est-ce qu'il y a des gars que j'ai loupés ici? Ça a pas l'air. Je me demande comment la carrière a été... J'avance tout doucement. La pluie. Doucement mais sûrement quoi. Trop près d'une source. Plein de fangeux aussi en bas. Il y a plein de bières partout. Alors ça dit quoi? Je pense que d'ici on aura une meilleure vue. D'ici on devrait avoir une meilleure vue. Est-ce qu'on voit quelque chose? Il y a plein d'enclos avec des flanges dedans quoi. Ils ont bossé les mecs quand même. Hein. J'ai repéré quelque chose. Oh là là. Allez, recharge vite, vite, vite. En plus, elle se soigne. Alors, on s'amuse bien ? Voilà.
Ouh! Qu'est-ce qui se passe ici? Attends, c'est quoi pour vous? On va sortir. On va sortir quoi? On va sortir ça. Ouais. Un peu du gaspillage de munitions, je vous l'accorde. Hein. On se fait plaisir un petit peu. Voilà. Ah mais il fallait pas sortir, toi. Il est fou qu'on sorte. Il rentre dans l'arène direct. Il s'en fout. Oh, par contre, il fait nuit là. Bientôt. On aurait pu aussi ouvrir les portes pour éventuellement les. Il aurait fallu un steel bolt pour ça. Il aurait fallu un steel bolt. Et je n'en ai pas. Est-ce qu'on n'a pas un petit truc caché? On va remplir les bouteilles aussi. Hop. On va remplir de l'eau sale. Je pense qu'on va plus utiliser la fontaine au camp parce que c'est un peu trop cheaté, hein, je vais vous l'avouer. Le mec qui pose une fontaine comme ça, direct qu'il y a de l'eau potable et tout, c'est un peu abusé. Je ne vous cache pas. Donc du coup, on va abandonner cette idée de remplir les bouteilles d'eau purifiée direct. Je vais voir si je trouve un mode pour justement remplacer l'eau des puits par de l'eau sale. Je pense que je peux trouver ça. Allez, brûle tout, Cotsworth. Ils sont résistants, dis donc, là. Elle te met pas devant, par contre, hein. Couper la ligne de tir là, comme ça. C'est pas très malin. Mais vas-tu crever, enfoiré, là? Putain, mais il est costaud, lui. On va dans ta trogne. Vous savez quoi? Hop. On va bouffer du fond en jeu. Nice. Eh ben, quelle galère. Je pensais pas que ce serait autant le bordel pour faire cet endroit-là, quoi. Et je connaissais pas du tout, donc du coup, c'est bien. Ça me fait un nouveau petit coin à visiter. Ok, on aura l'ascenseur ici. Génial. Ouais, t'es bien de construire ici, aussi. Un peu un cul-de-sac, mais bah, t'es cool. Alors, on avait le légendaire ici. Batte de baseball en acajou, radiation. Inflige 50 points de dégâts de radiation supplémentaires. D'accord, des dégâts de radiation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Fusil de chasse, ok. Ok, ok. Petit bidon d'essence. Pas de l'alu. Cotsworth, j'ai besoin de toi. Allez. Hey. Alors, tac. Je vais te passer la mitraillette parce que de toute façon, je vais plus l'utiliser. Hop. Voilà. Et divers. Non, mon bric-à-brac, voilà. Bah, c'est tout ce beau petit bordel qui prend de la place. Nice. Allez voir. Toujours fouiller aussi ces petits tracteurs là. Parce que des fois, il y a des livres dedans. Je crois que j'avais trouvé un livre, je sais plus où. Est-ce que je vais réussir à monter? Telle est la question. Suspense. Il se trouve, il y a même un truc dans la pelle. Hop, non. Rien du tout. C'est bien de me faire mentir. On va aller voir ce qu'il avait, le petit gars aussi, ici. Et du coup, il y a aussi l'autre légendaire, je sais pas où il est passé. Attends, dis-moi pas que c'était lui. Sully Mathis. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Dommage qu'il n'y ait pas ta tête, parce qu'ils vont pas te reconnaître. Mais c'est lui, justement, qui nous a demandé de l'aider pour la pompe. C'était un raider, en fait. C'était un raider. Je vais prendre ton armure, parce que je vais donner un décolon. L'enfoiré, il était pépère comme ça, là. D'accord.
Ah, la surprise, quoi. Je croyais. En plus, je l'avais oublié, tu vois. Je me suis dit, on va le trouver mort. Je sais pas où on va le trouver mort, mais putain. Je savais pas. Bah, écoute. Petit enfoiré, tu es mort. Voilà. Dommage, il avait l'air sympa, ce petit gars-là. Mais il avait une tête quand même un peu... Un peu de petits rapaces. Il était bizarre. Ok. Bon, bah écoutez, je pensais pas que ce serait aussi long. Hein, du coup, on va couper court ici. J'espère que vous avez passé du bon temps, les amis, dans ce nouvel épisode sur Fallout 4. On est de retour. Donc, je vous retrouve très vite pour le prochain épisode. Allez, peace, tout le monde. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. Oh, drinking beer in a cabaret, was I having fun? Until one night she caught me right, now I'm on the run. Oh, lay that pistol down.